La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech tous les jours. Allez, on va préparer pour vous les fêtes de fin d'année et Noël, Jérôme, avec un cadeau potentiel pour les enfants et pour les plus grands aussi. Et oui, qui n'a jamais rêvé de fabriquer et de programmer soi-même son propre robot ? Eh bien, c'est Lego qui, depuis quelques années, se met au robot et il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Bah dis donc, ils font peur ces robots, Jérôme, regarde-moi ça, ce serpent, ce scorpion là, bouh ! Avec les pinces, avec Oui, celui-là, on dirait une espèce de barracuda. Oui, de barracuda sur Terre, en fait. Oui, hein, voilà, c'est ça. Bon, vous avez vu, ils ont des formes étranges. Alors, ce qu'il y a d'amusant et d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer tous ces robots à partir d'une seule et même boîte. Hein. Oui, une boîte égale 5 modèles de robots. Bon, il faut dire que la boîte, elle coûte près de 400 euros. Hein. Oui. 370 euros exactement. Bon, alors, c'est pas que du Lego qu'on connaissait et qu'on faisait quand on était petit. Depuis, ça a un peu évolué. Oui. Non, pas qu'on soit très, très vieux, mais bon, la technologie est passée un peu par là. Donc, c'est la nouvelle version, en fait, le V3 hein, de ce robot, voilà, donc de Lego, qui, en fait, est de plus en plus perfectionné et de plus en plus de capteurs à l'intérieur de ces robots. Alors, comment ça marche ? Eh bien, vous avez ces petites pièces qui sont ici un capteur tactile, là, un capteur infrarouge. Également un détecteur de couleurs, etc. Vous assemblez votre robot comme bon vous semble et ensuite, vous fabriquez votre propre programme pour que cela marche. Donc, vous programmez tout simplement les actions que vous allez pouvoir faire avec ce robot, des actions dont prescriptées ou bien alors, par exemple, lorsqu'il va rencontrer un mur, se tourner tout seul, ouais, etc., attraper. Ou alors, regardez, à un moment, il va attraper un objet carrément. C'est assez impressionnant. Il y a une télécommande aussi. Alors, soit la télécommande qui est fournie, hein, ou bien vous pouvez télécharger une appli gratuite sur iPhone et sur iPad pour piloter votre robot. Alors, quelle différence par rapport aux versions précédentes hein, de ces robots ? Quid de cette troisième génération ? Réponse. C'est un robot qui est plus intuitif que les précédents. Donc en fait, il a été créé pour plaire aux enfants dès 10 ans. Donc une génération qui aujourd'hui a grandi avec la technologie, qui maîtrise beaucoup mieux tout ce qui est appareil mobile et technologique que leurs parents. Et c'est également un robot qui est beaucoup plus évolutif, dans le sens où une fois que vous maîtrisez votre système de programmation, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin que les robots précédents. Le robot de base donc, est prévu pour qu'en 30 minutes, vous puissiez commencer à jouer avec votre robot. Donc en 30 minutes, vous avez le premier programme qui est accessible. Donc à partir de 10 ans, on est apte, on peut y aller, hein, Jérôme. Juste, pour les grands enfants. Je voulais qu'on révise un petit peu de la science et nature avec toi. Barracuda, oui. T'es sûr que c'est un truc qui est sur Terre, le Barracuda ou... Je sais pas, c'est quoi un Barracuda, Barracuda le nom me plaît. Ouais, non, je crois que j'ai confondu. En fait, c'est un poisson, le Barracuda, c'est oui, ça ? Oui, c'est un poisson. J'ai confondu avec l'anaconda, qui est, un, comme chacun sait, un oiseau. Non, voilà. C'est pas vrai, un serpent. j'ai eu 5 sur 20 en SVT au bac. On n'a pas remarqué. Voilà, la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech avec une journée très chargée, les amis. Tout à l'heure, Phonaps, ouais. Jean-Marie Portal et sa sélection d'appli mobile. Et puis juste après, le choc. L'actu. Choc, ce sera à l'IFA. Nous serons à Berlin ce soir pour s'attaquer à ce gros morceau de la rentrée. Toutes les nouveautés high-tech de tous les constructeurs et en priorité Samsung, le coréen. Ouais, et ça commence fort. Ouais, puisque vous découvrirez dès ce soir la fameuse montre connectée Samsung. Et le Galaxy Note 3 et peut-être d'autres surprises. Donc, à suivre tout ça sur la chaîne Techno 01net. Très bonne journée à vous. Salut à tous. Et pour suivre toute l'actualité high-tech, suivez le compte Twitter de la chaîne Techno 01net.